Kundera a dit « La lutte de l'homme contre le pouvoir et la lutte de la mémoire contre l'oubli. » Ah, sacré Milan! Salut les Charlots! Pour tout vous avouer, j'ai volé cet adage, saoul et ivre d'oubli justement, dans un de nos bars favoris où il était accroché joliment au WC pour la réflexion commune et méditation personnelle d'un instant de lâcher prise. Un comportement égoïste, alcoolique, socialement inacceptable, je sais. Mais se rappeler de quoi? La mémoire de toutes les horreurs du monde nous plonge dans l'alcool et toutes sortes de drogues. L'alcool légal, politiquement correct, dans un culturellement institué, divertissement organisé d'un asservissement consenti. Le cannabis, lui, un crime. Un crime pour l'oubli. Les drogues, des questions complexes, assujetties à des pensées raccourcies et moralisatrices depuis fort longtemps. Oublier les peines, se rappeler des joies, recommencer les mêmes erreurs. Légaliser le cannabis n'est pas une question morale. Interdire l'alcool ou les excès de vitesse n'est pas une question morale. Dire ensemble ce que l'on a le droit de faire ou pas n'est pas une question morale. Dire si cela est bien ou pas de le faire n'est qu'une question morale. Tu saisis la différence ? On ne devrait pas débattre de questions morales, mais faire des choix politiques. Et ce n'est pas un gros mot. Dire ensemble ce que l'on peut faire ensemble est une question politique. Mais le pouvoir clive, donc le peuple clive. Cliver, polémiquer, diviser, on adore ça, hein ? Gauche, droite, pauvre, riche, homme, femme, cliver, c'est fabriquer la solitude. Fabriquer la solitude, c'est organiser la guerre. Diviser pour mieux régner, ça vous dit quelque chose ? C'est quoi la solitude ? La distanciation physique ? La distanciation sociale, là où les humains sont faits pour vivre en groupe. Un monde où on a tellement peur d'être seul qu'on se connecte par tous les pores de la peau que l'on cherche sans cesse une appartenance à un groupe. Aujourd'hui, exister socialement, c'est appartenir à une liste chiffrée d'amis et avoir une carte Wi-Fi. Tu cherches du travail ? Il faut t'inscrire sur LinkedIn. Si tu arrives à le prononcer, c'est fait pour toi. Toi qui parles anglais couramment. Sinon, tu t'inscris sur Monster via Deo. Si tu prononces mieux via Deo, c'est que c'est fait pour toi, c'est la version prolo de LinkedIn. Tu peux aussi trouver ton ou ta partenaire, ton pull hivernal, ton hygiène sensuelle sur Vinted, Tinder, OkCupid, Elite Rencontre si tu as un célibataire exigeant Bac plus 5 avec 4000 euros minimum sur ton compte. Une nounou ? T'as besoin d'une nounou ? Tu cherches une tondeuse, un ami ? Une babysitter pour le week-end donc ? Eh bien, tu remplis le même formulaire. Et si la vraie vie, ce n'était pas ça ? Et si l'homme de ta vie ou la femme de ta vie allait avoir 30 ans dans une semaine et que tu avais calé tes critères de match de 30 à 45 ? Bah zut ! Et si tes voisins, à qui tu ne parles pas, avaient une tondeuse dont ils ne faisaient rien ? Flûte ! Et si ta boulangère avait un fils qui adore les enfants et qui avait besoin d'argent de poche ? Flûte de zut ! L'informatique a été inventée pour nous débarrasser de l'administratif. C'est ce qu'on t'a vendu, hein. Comment a-t-on pu avaler qu'un gestionnaire de formulaires allait nous débarrasser des formulaires ? Le formulaire Charlotte Lenoir, 44 ans, personnage, chroniqueuse, 1m36 au garrot, 89 kg, philosophe de cave, psychologue de 7e étage, ça ne te dit rien de moi en fait. Et puis quand tu habites dans un trou, pour des rencontres ou du travail, ta géolocalisation, tu la démarres à 65 km, tout seul. La solitude et l'isolement. Et quand j'y pense, la décroissance, c'est confortable quand tu as les moyens de t'y adapter. Parce que quand tu n'as pas de voiture, dans la pampa, où ils utilisent encore le chat de caramel pour se croiser, eh bien pas de boulot, pas d'hygiène sensuelle, pas de potes. La solitude et l'isolement. Non, dans ces cas-là, t'es juste le relou qu'il faut toujours aller voir. Tu sais, les mecs habitent dans la pampa, là. Ça coûte le même prix qu'un week-end à Barcelone, mais avec juste un joint et un demi en perspective. En plus, le demi, tu le prends au bar du coin avec un patron de village austère comme notre futur plan économique. De la solitude
et de l'isolement. Quand j'ai écrit ça, le correcteur automatique, il a écrit des solitudes, des isolements. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si identifier la différence nous amènerait à la victoire du divisé pour mieux régner. On dit « mets en avant tes singularités » plutôt que de te dire « regarde en toi ce qui te rapproche des autres ». Ensemble, on a les moyens de prendre le pouvoir et de tellement le partager qu'il ne serait plus question de fabriquer des maîtres et des esclaves. Intéressant comme plan. Un petit souvenir de Boubou, à l'époque, il avait 6 ans et il vient me visiter aux toilettes. Il adore me poser des questions quand je suis aux toilettes. C'est comment que tu sens l'amour ? Bah, je sais pas mon chéri, je comprends pas la question. Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment on le reconnaît ? Pourquoi tu veux savoir ça ? Il y a un truc qui se passe à l'école ? Non, parce que c'est important de reconnaître l'amour. Ah oui ? Pourquoi il faut le reconnaître l'amour alors ? Ben, pour pas qu'il nous oublie. La nuit...